Sophie, aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est pour la fête des mères. Je pensais que ça pouvait être pas mal en fait de vous donner plusieurs idées de cadeaux pour votre maman. Et du coup j'en ai répertorié 10 en tout. Et donc je voulais dire j'ai mon petit calepin qui est juste en dessous, donc si je regarde, c'est pour ça. Donc en gros la première c'est ce que j'ai pensé, ce qui était plutôt pas mal, c'est un resto. Je trouve ça sympa, ben c'est après c'est si vous avez les moyens, il y a plusieurs gammes de prix, hein. Je trouve ça sympa parce que ça vous permet d'avoir un petit truc, un petit moment, rien qu'à vous deux. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est plutôt sympa comme attention. La deuxième, c'est le truc le plus basique, enfin non, peut-être pas le plus basique, il y en a un autre avant plus basique peut-être. Bah, le plus basique, je dirais, ça serait le petit déjeuner au lit. C'est quand on n'a pas les moyens, bah, il n'empêche que c'est toujours une petite attention. Et je trouve ça super mignon, c'est sympa de se faire réveiller avec le petit déjeuner au lit. Bonne petite tartine. Je trouve ça pas mal. En troisième, je dirais un bouquet ou une rose ou un truc comme ça. Enfin, des fleurs, si votre maman aime les fleurs. Je trouve ça joli aussi, c'est une jolie attention. En règle générale, les mamans aiment beaucoup, donc ça plaît pas mal. Voilà. Une autre, c'est un parfum. Bon, c'est un truc classique, genre qu'on offre à Noël ou des trucs comme ça, mais c'est toujours plaisant, surtout pour une femme. Je trouve ça plutôt pas mal. Bon, après, faut avoir le budget parce que c'est sûr que c'est tout de suite plus cher qu'un bouquet ou quoi. Mais c'est sympa, si vous pouvez avoir les moyens, je pense que ça peut vous faire plaisir à votre maman. Une autre idée, c'est un bijou. C'est pareil, c'est féminin. À peu près toutes les mamans en portent. Bon, après, certaines n'aiment pas. Ou voilà, enfin, ça peut être autant un bijou fantaisie que ça peut être un bijou en plaqué or ou en or ou argent. Enfin, après, voilà, c'est vraiment selon vos moyens et puis selon les goûts de votre maman. Ça plutôt sympa. Une idée aussi que je trouve assez originale et que nous on a fait pour notre maman, c'était pour un Noël. En fait, ce que je trouve sympa, c'est l'idée, c'est une toile en fait avec une photo de vos frères et sœurs. Nous on avait fait parce qu'on est trois enfants, deux filles et un garçon. Et on avait fait justement une toile avec justement une photo où on était tous les trois et on lui avait offert pour Noël. On avait trouvé ça plutôt sympa et ça avait bien fait son effet parce qu'elle avait vraiment adoré. Donc si ça peut vous donner des idées, c'est pas mal. Une autre idée, c'est lui faire en fait juste une petite lettre. C'est une petite attention toute bête mais qui peut faire son effet. Ça fait toujours plaisir lui dire pourquoi c'est une maman formidable puisque toutes les mamans sont formidables. Hein. Voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Quand on n'a pas les moyens, qu'on est jeune et tout, bah c'est toujours une petite attention, mais c'est la petite attention qui fait bah, pour dire bonne fête maman et merci d'être une belle maman. En dernier, c'est truc tout simple. C'est si jamais elle a un produit qui est en train de se terminer, ben lui racheter en fait. Donc là, ça pouvait être un parfum, comme ça peut être un fond de teint, un mascara, enfin plein de choses comme ça. Si elle a un produit qui est en train de se terminer, ben, je trouvais ça plutôt sympa. Enfin, après, c'est une idée, ben, justement, c'est à vous de voir un peu, d'aller fouiller un peu, voir ce qui peut rester et tout. Mais je trouvais ça plutôt pas mal. Donc voilà, je vous fais des gros gros bisous les filles. Là maintenant que ma période d'examen est terminée, je vais venir plus souvent normalement. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!